Bonjour. Bon, il y en a qui me connaissent, il y en a qui me connaissent pas. En fait, je m'appelle Samuel et je suis un voyageur qui va de village en village à travers le monde pour raconter des histoires dans les écoles, dans les familles, là où on a envie d'entendre des contes, mais je peux m'arrêter. Voilà. Et donc j'avais écrit des livres, les voilà, qui racontaient mon cheminement en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique. Et donc je racontais un petit peu toutes mes aventures. J'avais fait un petit CD où on peut écouter des contes et je les diffuse sur les marchés. Sauf qu'en ce moment, sur les marchés, c'est pas facile parce qu'avec un masque, j'arrive pas trop à partager l'histoire de mon voyage. Alors je vous fais cette petite vidéo pour vous partager quelque chose que j'ai fait il y a. Donc c'est trois albums de contes avec vraiment des beaux messages dans chaque histoire. Histoire de liberté, de faire ce qu'on a besoin de faire, d'être qui on veut être, puis de souder ensemble pour faire des grandes choses. Et ces trois albums sont illustrés par des jeunes, donc si vous avez envie de faire un cadeau, et bien voilà, je vous présente mes petits ouvrages. C'est un peu un acte solidaire, parce que du coup ça m'aide à vivre en ce moment, je peux plus trop aller dans les écoles. Et aussi parce qu'il y a une petite partie du bénéfice qui ira aux gens qui ont dessiné les livres. Je vais vous en raconter une. C'est une histoire qui s'est passée sur une plage. Sur cette plage, il y avait de nombreuses étoiles de mer. Elles arrivaient par les vagues, elles s'échouaient sur le sable et finissaient par mourir, desséchées par le soleil. Une petite fille avait une idée. Elle avait décidé de les ramasser une à une et de les remettre à l'eau. Il y en avait beaucoup. Si bien qu'un homme l'observait et pensait, elle n'arrivera jamais à remettre à l'eau toutes ces étoiles de mer. Cette petite fille perd son temps et elle ne le sait pas. Je vais aller lui parler. Je vais vous laisser imaginer ce qui va se passer lorsque l'homme va parler à la petite fille et que la petite fille va lui répondre.